Hey, salut! Bienvenue dans un nouvel épisode de Cher Youn. Cette semaine, je reçois un courrier de Manuel. Je peux t'appeler Manu? J'attends qu'il me renvoie un courrier pour savoir si je peux l'appeler Manu. Hey, de retour les amis. On est 2 semaines plus tard, mais je me suis pas changé. J'ai reçu donc la lettre de Manuel, puisqu'il veut pas que je l'appelle Manu. Dommage. Il me dit donc, Cher Youn, j'ai peur d'être un méta-slave. Comment en être reçu? C'est très sérieux ce que tu me dis là, Manuel. C'est très bien de te remettre en question d'abord. Vous aussi, peut-être vous demandez-vous si vous êtes un méta-slave. Vous êtes un esclave de la méta en français. Pour en être sûr, il faudrait préparer un petit contrôle sur 20. Par exemple, si tu regardes tes films en sous-titré parce que la VF c'est de la merde, tu rajoutes 3 points. Et donc tu es à 3 points. Ensuite, si quand on te demande ce que t'écoutes comme musique, tu réponds j'écoute de tout, c'est 3 points aussi. Et pire, si tu réponds j'écoute de tout, sauf, et qu'ensuite tu dis sauf rap, sauf métal, sauf classique. Peu importe, c'est 5 points à la place. Si tu détestes Kev Adams, c'est 1 point. Pour chacune des séries suivantes que tu apprécies, c'est 1 point. Game of Thrones, Breaking Bad, Walking Dead. Et si t'aimes les 3, bah c'est 5 points. Si t'as déjà dit malaisant, c'est 3 points. Et enfin, point bonus, plus 1 point pour chacun de ces champions de cul. Et voilà mon ami Manu. J'en ai rien à foutre Manu. Si tu es à 0, c'est probablement que tu es reclus dans une grotte, ou alors que tu es le propriétaire de ma chaîne YouTube. Si tu es entre 1 et 9, tu es quelqu'un de tout à fait normal, félicitations. Si tu es entre 10 et 15, fais très attention, tu es sur la mauvaise pente. Si tu es entre 16 et 20, il ne te reste malheureusement plus que le suicide. Et si tu es au-dessus de 20... Non, je peux pas imaginer que quiconque soit au-dessus de 20. Merci à tous de poster en commentaire votre score, et je bannirai les plus élevés.